Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des aventures à Dubaï. Ce matin, on va visiter le Dubai Aquarium and Underwater Zoo. Donc, c'est l'un des zoos les plus grands au monde, avec 10 millions de litres d'eau à l'intérieur, énormément d'espèces, des requins, des raies, etc. On va découvrir ça ensemble. C'est parti! Dans la partie zoo, il n'y a pas beaucoup de monde, donc je vous conseille de vraiment de venir en semaine et à l'ouverture. Donc c'est super sympa. Haroun il est à fond dedans, il y a plein de petits poissons. Et les filles, bah écoutez, elles sont un peu partout en train d'explorer. Il y a vraiment plein d'espèces différentes. Et alors, si jamais vous voulez faire la Burj Al Khalifa, monter à la tour, vous pouvez prendre un ticket combiné zoo plus tour. Oh my god. Donc là on a fait la première partie, on va se diriger vers le bas et on va faire le long tunnel que vous voyez ici. Ok les filles, vous avez aimé l'aquarium ou pas, Mariam? Vous avez aimé l'aquarium? Oui. C'était combien sur 10? 10 sur 10. 10 sur 10. On est en train d'essayer un principe, c'est chez Yogurtland. En gros, vous composez vous-même. Vas-y, tu peux les bonbons. Oh non. Fini la visite de l'aquarium. Il y a Haroun qui est en train... Ah bah voilà, il est en train de dormir. Haroun est en train de dormir. Les filles, elles ont pris une glace chez Yogurtland. Et nous on va se prendre un café. Tu peux prendre ma crème, Mariam, si tu veux. On est revenu au même endroit qu'hier, elles sont en train de jouer au toboggan là, elles ont trop aimé, donc du coup on est ici. On va attendre un petit peu et on va prendre un taxi pour nous rendre au Miracle Garden. Donc le Miracle Garden, pour le coup, on l'a jamais fait. C'est un jardin, il me semble que ce n'est pas toute l'année, c'est durant la période d'hiver, on va dire ici. Et donc c'est un jardin avec plein de fleurs, vous allez voir, c'est super joli. Il y a plein de fleurs, plein de réalisations florales, on va dire. Et après ça, on terminera la soirée donc au Global Village qui ouvre qu'à 16h. Vous verrez le Global Village aussi, c'est sympa. Il y a plein d'activités pour les enfants. On va aller voir une représentation. C'est tout. On est au Miracle Garden. Il fait hyper chaud. C'est incroyable. Franchement, c'est super sympa. C'est super sympa et super joli surtout. Je sais pas comment ils font pour arroser tout ça avec la chaleur qu'il fait, mais c'est impressionnant. On est dans le taxi, on vient d'arriver au Global Village. On va découvrir le Global Village ensemble. Allez, on y va. Welcome to Global Village. Global Village.
Kiosque information, vous pouvez prendre des petits bracelets pour noter votre, les noms et prénoms des enfants, ainsi que votre numéro de téléphone au cas où ils se perdent. Et vous avez aussi la carte du parc. Pearl Village, c'est un peu une expérience shopping. Gastronomique, vous pouvez goûter aux plats de très nombreux pays. Et alors, vous avez vraiment plein de pays qui sont représentés. Là, vous voyez le Koweït, Bahreïn. Là-bas, il y a le Maroc, le Yémen. On a la Turquie, là, ici, qui est juste derrière. Le Pakistan. On a vu aussi la Thaïlande. Vous avez aussi pas mal de jeux. Il y a aussi des spectacles. Le principe est super bien fait. Donc vous rentrez dans chaque pays. Et dans chaque pays, en gros, vous avez les spécialités culinaires, les vêtements, etc. Vous avez un marché flottant qui est super sympa avec plein de spécialités. Donc bien sûr, tout est halal. Donc ça, c'est le... c'est top. Parce que du coup, vous pouvez vraiment tout goûter, vous régaler, vous faire plaisir. C'est trop bien. Il y a même des chargeurs ici. Vous pouvez charger votre téléphone si besoin. Génial. Je sais pas comment on va faire avec l'avion. Prendre l'avion avec une grosse peluche. Le Global Village, il est sympa. On n'a pas pris le temps de rentrer dans tous les villages pour regarder, pour faire du shopping tout simplement. Mais les filles se sont bien amusées. Et voilà, vendredi. Les Golènes. J'espère que vous allez bien. On continue. Bonjour. Nous part à Les Golènes. Bah voilà, on part à Legoland, qui est un parc d'attractions. Ouais. On est 10 heures dans le parc. On a fait celui de la Malaisie. Regarde, ma dent est tombée. Ah super, on ira au outlet. Cool. Donc vous avez le Legoland qui est à droite et vous avez un outlet qui est à gauche. Donc il fait chaud aujourd'hui. Dans le parc, on peut tout jouer. Et il n'y a pas grand monde. Par contre, le parc d'eau, il est fermé. Donc on va faire que la partie parc. C'est l'hôtel, tu vois.
montre un peu le choix qu'il y a. Il y a vraiment, tout est halal bien sûr. Il y a vraiment plein de choix. Vous avez indien, butter chicken, du riz, des nouilles, du riz, des légumes. Là c'est plutôt thaï. Vraiment plein de trucs. Des fruits. Ici vous avez tout ce qui est salade. Haroun s'est réveillé, donc j'ai des petites pâtes ici, du poulet pour lui. Voilà, donc Haroun il est en train de manger mon bébé, hein. Ouais, en fait on a fini, on a fait toutes les attractions, terminé. Donc du coup ce qu'on fait c'est qu'on retourne vers l'entrée et en même temps les filles choisissent les attractions qu'elles ont préférées. Donc voilà, franchement c'est sympa, en plus il n'y a pas beaucoup de monde et pas beaucoup de files d'attente, c'est sympa. Et c'est vraiment adapté pour les enfants, c'est vraiment un parc pour les enfants. Là on arrive à la fin de cette longue journée. Les filles, c'était bien alors Legoland? Elles sont où les filles? Elles sont dans leur petite poussette? Alors les filles, c'était bien Legoland? Vous avez bien aimé? Voilà pour Legoland Dubaï. Si jamais vous êtes venu ici, n'hésitez pas à laisser votre expérience. Bienvenue à Atlantis. On va faire The Lost Chamber Aquarium, qui est juste là. La visite de l'aquarium, on va aller au water park. Franchement il est vraiment bien cet aquarium, vraiment bien fait, assez impressionnant, il est vraiment bien. Allez, direction le water park, on y va les filles. On est au water park, donc voilà je viens de me changer. C'est l'un des derniers burkinis de chez Madame Becca. Bonjour. Il y a le tram qui passe en fait par l'hôtel. Bon, on va aller explorer ce parc, il est gigantesque hein. Il est gigantesque, donc on a la carte. On va, je crois, passer l'après-midi ici. On va déjeuner ici. Enfin, déjeuner, on va déjeuner plus tard quand même, étant donné qu'il est déjà midi. Allez, c'est parti. Salut, my god! Attention! Oui! Franchement, il fait froid quand même, hein, mais je pense qu'en été, quand il fait bien chaud, ça doit être sympa d'être ici. Là, il fait un peu frais. Il fait un peu frais, mais bon. Il y a plein d'attractions pour les enfants. Il y a pas mal de monde quand même. Beaucoup de touristes en fait. Ça passe vite quand on fait les attractions. Haroun il est en train de dormir, j'ai fait les bouées avec lui, on a fait quoi d'autre? Quelques petits jeux d'eau pour les enfants, mais avec les filles on a pu faire ce jeu ici, je sais plus c'est quoi le nom. Mais en gros vous êtes dans une bouée et c'est assez waouh, c'est assez impressionnant, ça va assez vite, mais c'est super sympa. Donc là on va manger, comment ça s'appelle, Barracuda quelque chose. En gros à l'intérieur vous avez un peu de tout, il y a du, vous pouvez manger asiatique, vous pouvez manger, vous avez du poulet frit, vous avez des hamburgers. Vous pouvez prendre quoi d'autre, il y a des plats falafel, vous voyez, ce genre de truc, shawarma et tout. On arrive à la fin de cette longue journée, donc les filles elles vont faire une dernière fois l'attraction là qui est là-bas et ensuite
on va se doucher et on rentre à l'hôtel. Voilà, notre séjour à Dubaï se termine. J'espère en tout cas que cette aventure avec nous vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à la partager. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Bye.